Bah ouais. Bon, salut petit frère, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Comment ouais. Ça va? Je vois plus depuis la dernière fois que je t'ai vu. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Là pour s'exprimer, pour s'amuser, pour faire plaisir au public d'une autre façon, non pas au travers d'une compétition hyper intense, peut-être au travers de la recherche de gestes spectaculaires. Mais en même temps, notre message, c'est de dire que la meilleure façon de les réaliser, de les réussir, c'est de jouer malgré tout avec une certaine intensité. Il faut féliciter quand même, c'est assez hors norme d'avoir deux coachs frères de chaque côté. Non, c'est agréable, il y a une bonne ambiance, les joueurs se connaissent, c'est un plaisir. Après, ça va être intéressant de voir comment ils vont évoluer demain, parce que est-ce qu'il va y avoir de la décontraction, trop de décontraction, et les limites sont dures, est-ce qu'il faut défendre trop ou pas assez? On connaît tous ces joueurs qui ont été formés en France, dans d'autres formations, et on le répète assez, un des pays les plus formateurs dans le monde du basket. On fournit pour la Pro A, on fournit même pour la NBA, pour certains clubs très huppés en Europe, et on est fiers de ça. J'aime beaucoup la sélection française, il y a des comebacks comme Patch Morland, ça fait 8 ans qu'il est parvenu au All-Star. C'est pas les peignes, hein. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver au All-Star après toutes ces années? Waouh! Un kiff total. Franchement, sérieusement, je me dis, je reviens de loin. Hein, tu vois, je me dis d'être là à Bercy. Bon, là, c'est un peu vite pour l'instant. Je commence à être plein de 15 000 personnes là. Ça fait un pur bonheur. Franchement, un pur bonheur. Amara aussi, qui est un ancien MVP. Ma droite, je ne l'aimais pas et ma gauche, je l'aimais. Et Ludo Vatti, je mettrais vraiment une petite pièce pour lui aux Jeux Olympiques parce qu'il est sous-coté et c'est le meilleur rapport point-minute du championnat au niveau français. Il est à 17 minutes de temps de jeu, à plus de 10 points et plus de 5 rebonds en moyenne. Donc, et je pense que c'est vraiment la révélation de ce championnat. Déjà, la première chose qu'ils ont fait entre eux, c'est de se parler de leurs matchs respectifs. Comment ils ont mis leurs moves, ils se sont vraiment chambrés là-dessus. Et puis je pense que c'est la fête du basket, le All-Star Game. Donc la fête du basket, ça engendre une chose, c'est que on se détend, on est tranquille, on est relax et puis on chambre tout le monde, quoi. Fabien. Le deuxième à 10 euros. Adrien, 10 euros supplémentaires. On a perdu au shoot avec un shoot du milieu de terrain. Avec un grand Amarassi. Ah ouais, avec un grand. Très grand Amarassi. Un grand arnaqueur. Hein mais si, je l'ai mis avec Patch. Il l'a mis, mais bon, c'est du shoot qui compte. Ah, arrête. Non, toi, c'est du shoot qui compte pas. Quand il s'agit de toi. Bon, je laisse parler. Sérieux. Non, mais là, t'es obligé. On verra ça demain. T'es obligé de me laisser parler. On verra ça demain. C'est un tricheur. Arrête de s'exprimer. C'est un tricheur. T'as me payé, hein. C'est un tricheur. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, vous avez pas filmé. J'ai vu les têtes qu'ils ont fait. Et j'ai dit non, là, je vais perdre des amis, là. Donc j'aurais dit non, c'est bon, gardez l'argent les gars. Non, ça vite. Parce que les mecs ils vont regarder plus du même œil. Voilà. Pour 10 euros chacun. Moi, je suis pas payé, moi. J'ai pesé le pour et le contre. J'ai dit non, je vais perdre des amis là. Bon les gars, je vous aime. C'est très bien dans sa religion. Gardez l'argent. On peut pas parier. J'ai gardé. Voilà. C'est ça, il a fait le bon choix. Dans sa religion, il peut pas parier. Voilà. Maintenant, il le sait. Voilà, tranquille.